Salut à tous, c'est Mouni, on est avec Brumage sur Left 4 Dead 2 une nouvelle fois et on va vous présenter, pas vraiment parce qu'on va découvrir en même temps que vous, la campagne qui s'appelle Deathcraft 2 et qui, comme vous pouvez peut-être le deviner sur la miniature ici, est une campagne qui s'inspire très fortement, on va dire, voilà, de Minecraft. Voilà, tout à fait. Donc encore une fois, c'était une campagne. Ouais, voilà. C'était une campagne bien notée. Mais ouais, ce que tu voulais dire, c'est qu'il y avait tous les skins dedans, que le mec avait tout, tout modélisé. C'est un travail de fou. Faut savoir qu'elle fait 1,2 Go à télécharger, donc c'est vrai que c'est assez conséquent. Mais l'auteur a apparemment tout modélisé, quoi. C'est-à-dire qu'il a vraiment refait les textures. Alors, c'est paradoxal parce que Minecraft est pas lourd à la base comme jeu. Mais du coup, en mode pour Left 4 Dead 2, ça fait un mode très lourd. Forcément, puisque ça n'utilise pas les textures intégrées au jeu. Ça en utilise de nouvelles, donc il faut bien les fournir. Mais il a refait aussi, tu m'as dit, les musiques. Et quoi d'autre? Ouais, il me semble que les sons, c'est plus les mêmes. Enfin, que certaines musiques sont plus les mêmes. S'il a changé les skins, forcément. Les armes, peut-être, Parce aussi. que j'y ai pas joué, donc je sais pas, mais à mon avis. Oh, déjà, petite intro. Ça a été filmé à partir d'un vrai de Minecraft. Ah ouais? Parce que ça, tu peux pas le faire Tu dans. penses pas que tu penses. Moi, je pensais que c'était un rendu, moi, du moteur. Ah, je pense que ça venait du jeu Minecraft. Ah ouais, donc là, les armes et tout. Ouais, les armes, on regarde les skins et Non, tout. le truc, c'est que moi, je suis pas à l'aise, je tiens à le dire quand même aux gens. Moi, l'univers Minecraft, je suis pas à l'aise déjà parce que je connais pas, d'une part. Oh d'accord, on prend un deuxième gun comme ça. Et puis deuxièmement, parce que j'adhère pas vraiment, hein, pour tout vous dire. Fusil chromé. Ouais, C'est quoi c'est le fusil fusil à chromé? pompe. Ah oui. Ça La c'est quoi ce pomme, truc? ça c'est le kit de soins, ça. Oh là là, et il... Non, parce que là, Et ça enfin doit moi être qui ai une joué. hache, c'est la hache du jeu Voilà, Minecraft ça. c'est la hache du Minecraft. Moi je la prends pas parce que je suis pas un joueur de Minecraft. Oh là là, j'ai du mal, hein, à évoluer dans ces graphismes. Il va me falloir un temps d'adaptation. Parce que moi je découvre le design Minecraft et la campagne évidemment en même temps que toi. Mais toi disons que t'es plus habitué. Hein. C'est un Oh, zombie. Ah non d'accord. putain c'est toi Ouais, ça. Ah, c'est un ça ce zombie. machin c'est... Ah, C'est putain. un zombie. Ces machins-là, tout vert, c'est des zombies. Ah, c'est un flic, lui. Faut lui tirer dans le dos. Allez, crève. Allez, je lui... Oh là. Oh là là. Et tu vois, donc les coffres, on peut les ouvrir en appuyant sur E. Et tu peux prendre que les items qui sont en surbrillance. Parce que ça, j'imagine que c'est des trucs qui existent dans Minecraft Ouais, alors. c'est des items qui existent dans le jeu Minecraft. Ouais. C'est aussi. Enfin, comment Là, il y a dire? un disque. Regarde, là, il y a un disque à prendre dedans. Ça fait Depuis ce... quoi? Je l'ai pris, mais Ah, mais ça s'est rajouté dans mes trucs en bas, la barre en plus. Ouais, moi aussi, ça D'accord. s'est rajouté dans la mienne. Je sais pas comment Voilà. s'en Là, on sert. a entendu un jockey, non? Ouais, il y a un Joker. Mais Pardon? où Je est-ce sais que pas la gueule qu'ils ont ce que je d'ailleurs. voulais te demander, c'est que est-ce que le jeu original Minecraft, est-ce que la patte graphique est exactement pareille? Je veux dire, est-ce que c'est très très Exactement fidèle? pareil. Parce que c'est ça qui C'est est important. exactement pareil. Faut pas dire vite, c'est Parce que là, le exactement le problème, même. c'est que, évidemment, les graphismes de Minecraft, ils sont pas détaillés, mais ils sont fins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais, je qu'effectivement, vois. ça manque de détails, mais là, le rendu est propre. Hein. Le rendu graphique est très propre. Et est-ce que dans le jeu original, c'est pareil? Exactement pareil. Donc, genre, tu peux mettre un anti-aliasing, des trucs comme ça, quoi. Je crois, il me Pour semble. éviter, parce que pour éviter un peu les effets d'escalier, parce que disons les graphismes Minecraft, tu me diras au moins ce bon ça colle avec là. Ok, alors les araignées, c'est les jockeys. Tu vois, le machin qui. Le machin vert là, c'est un hunter. Ouais, je l'ai pas trouvé parce que t'étais devant, mais oui, je les comprends. Ah, j'ai trouvé un truc, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai pris un truc. Si Et ça s'est ça. mis là, c'est que c'est un cocktail Molotov ou une paille bombe, au pire. Et ça avait quelle gueule? Je saurais pas te dire. Je suis désolé, mais franchement, quand tu vois la tronche que ça a, c'est difficile à décrire.
On dirait une espèce de cône à l'envers. Mais encore, putain. Du coup, ça bouge, je sais pas s'ils sont vivants ou morts. Et déjà que je peux galérer dans les gens général, bah alors là... dans un truc comme ça où je suis bien... Alors là, on a un jukebox. Ça, c'est un jukebox. Du coup, t'as mis le CD dedans. Ah merde, d'accord. Non, mais c'est fait exprès, normalement. Attends, pas. Il faut que je remonte le son du jeu, parce que j'entends vraiment rien. Ouais, c'est faible. C'est peut-être une musique du jeu, mais c'est vrai que moi, du coup, je reconnais pas, donc... Oula, il y a un chargeur. Oh, gros port. Oh, il m'a touché de là, ouais. Ouais, c'est un... Ah, c'était un boomer. Je sais même pas la gueule qu'il avait, du coup. J'ai tué un boomer sans le savoir. Okay. Ah, lui, c'est une combinaison. Le jaune, c'est les agents du SEDA, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Nac. Tu sais, ceux qui ont les combinaisons qui se percent, qui font pi. Ouais, je vois. Je crois que ça s'appelle le SEDA, l'Orenus, mais j'ai déjà oublié. Ah, ça se prend, ça? Non. Non, c'est pas ça. Ah, oui, c'est pas assez brillant. Alors là... Mais c'est vrai que, par contre, tu vois, autant le jeu Minecraft de base... Ça m'a jamais trop intéressé parce que le concept de bac à sable géant, je préfère qu'il y ait un cadre autour, du style GTA. Parce que pour moi, GTA, c'est un bac à sable avec un cadre. Alors c'est encore beaucoup plus renforcé avec GTA 4, hein, qui là met vraiment l'histoire quand même beaucoup plus au cœur du jeu. Enfin, sinon, putain, le smoker, il a une gueule. Donc, voilà. Et du coup, Minecraft de base, c'est ce machin là où je me trouve. Une espèce de truc tout noir avec des yeux violets. Ah, ça, ouais, c'est les Enderman dans Minecraft. Ah, c'est un jockey, ça. Ouais, je l'ai tué, super, écoute. Hein. Mais du coup, voilà, moi qui adhère pas trop à ça de base, bah, étant donné que là, c'est transposé dans un autre univers, et en plus un univers que j'aime bien, et un jeu que j'aime bien, ça passe. Ah, le Magnum. Ouais, allez. Fureur à gueule du Magnum. Ah ouais, putain. Toi, t'as pris la hache. Non, j'ai l'épée. Ah oui, t'as l'épée. Enfin, ça doit être le katana. Il y a un hunter. Ah, il y a un spitter. Juste devant toi, je crois. Ouais, c'est le squelette là-bas au fond, tu le vois. Aïe, aïe. Ah ouais, puis j'aime bien la vie, elle est représentée sous forme de cœur. Ouais, comme dans Minecraft. Ouais. Ah. Ça, et puis tu sais, putain là. Non, c'est vrai qu'on y voit rien avec la neige. Hein. Derrière, il y a de la neige, j'aimais bien l'intro en 108 bits parce que c'est vrai que j'aime bien ce type de rétro là. Parce que moi c'est vraiment mon... Bah tu le sais, de toute façon c'est mon époque quoi. On n'a jamais dit notre âge, notre vrai âge, mais voilà, ça c'est mon époque quoi. Ouais. 16 bits plutôt, mais 8 bits aussi j'ai connu et c'est vrai que ça a gardé un charme ou quoi. Alors du coup, je sais pas si... quel est le but de Minecraft, je t'avouerai que je me suis jamais trop renseigné... dessus, moi, à part le fait que toi tu m'en ai parlé. Oui, mais je veux dire, les intentions derrière, hein, tu vois, les objectifs derrière, est-ce que c'est aussi un hommage justement à ça ou pas? Ça que je sais pas, quoi. Je sais pas non plus. Parce que c'est un choix de style qu'il a fait de faire des graphismes comme ça. Parce que même pour un jeu léger, il pouvait faire bien plus. Donc si c'est un choix... Oh, t'as un jockey derrière, toi. Enfin, un jockey, qu'est-ce que je dis, c'est un chargeur. Oui, non. Bon, alors, comme d'habitude, là, je m'adresse aux spectateurs. On va pas vous montrer l'intégralité de la campagne parce que ça serait trop long. On va vous faire, selon le temps que ça prend, je pense, au moins deux maps. Oui, je pense. Alors que la dernière fois, on avait dit oui, on fera 3-4 et tout, puis non, parce que ça ferait trop de vidéos, ça serait trop long. Et puis en plus, ça spoilerait l'intérêt quoi. Nous, notre but c'est vraiment là cette fois de vous faire découvrir une campagne additionnelle quoi. Donc non officielle certes, mais enfin ça empêche qu'elles peuvent être de bonne qualité. Oh, comment il a volé l'autre, excellent. Donc voilà, comme notre but c'est de vous faire découvrir, déjà en faisant deux maps sur des fois 5 ou 6 c'est déjà beaucoup. Alors on veut pas faire un playthrough. Je suis con moi de sauter là dedans putain, je fais n'importe quoi. Alors du coup on a laissé en normal, ça souhaite, c'est quoi ça? Ah, j'ai ouvert une porte. Ah là. Est-ce qu'il y a un coffre qui s'ouvre? Ouais, j'ai ouvert une porte. Ouais, le coffre il s'ouvre. Tous les coffres ils s'ouvrent. Donc ça s'ouvre.
Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu sais, ce qu'il faudrait, c'est que quand on ouvre... Je sais, c'est pas Minecraft, mais... Ah, ça me plairait, hein. Bah, franchement, écoutez, ça je le dis pour toi et puis pour les spectateurs, on va chercher, voir s'il n'y a pas d'autres campagnes mais sur des thèmes très connus comme Zelda. Oui, ça c'est un truc, tant pour moi. Là, le dos, voilà. Toujours pas mort, enfoiré. Ah, putain, mais... Mour. Attends, je vais le découper. Je le découpe à l'épée, voilà. Oh, mais tu crèves. J'arrive pas à le tuer. Attends, attends, faut... Pour le décoller du... Ah, il est mort, enfin. Ah non, il est pas mort. Il est pas mort. Mais il est bugué, le machin, quoi. C'est bon, il est mort, là. Coup de fusil à pompe dans le cul. Aïe, aïe, aïe. Oh, putain. Tu vas voir que je vais être à terre. Et 2 HP, quoi. Il est tellement bloqué contre les murs et tout. Boulé. Ok, là, on peut pas passer. C'est fait exprès pour passer par... Oh, guérison. Bill. Abusé. Bill guéri. Qu'une pomme. Bill guéri. Viens, c'est là. On est obligé de passer à travers la fenêtre. Ouais, ouais, il faut passer par la fenêtre. Putain, y a Hunter. N'empêche, pour un gars qui connaît pas Minecraft, ça fait quand même 2 fois que j'en présente, hein. Borderlands 2, l'easter egg. Et puis maintenant, Left 4 Dead 2. Ça fait beaucoup de 2, hein. Borderlands 2, Left 4 Dead 2, Portal 2 en ce moment. Deathcraft 2. Oui, là-bas, du coup. Ouais, ouais, du coup. Mais ça, c'est parce que c'est souvent des modeurs. Je dis pas que c'est le cas ici, hein. J'avoue que je me suis pas trop renseigné. Tu m'as filé le lien. Bon, j'ai... Putain, je vais perdre toute ma vie, tu vas voir. Oh là là, j'arrive pas à bouger. C'est ici qu'il faut venir. Putain, j'ai tellement de mal que... On part par où? Tu te rends compte, j'ai perdu tout le kit de soins qu'il m'a filé. Enfin, bon, bref. Et oui, et je pense que ça doit être un mode qu'il avait dû faire pour le 1. Faut descendre ici. Ouais, je pense qu'il faut descendre. Oh, il se fait pécho par un... Oui, voilà. Et en fait, les... C'est quoi les ce que... comme ça. Il est bizarre, il bougeait le carré. Mais oui, pardon, les hunters. Le hunter, quand il saute dessus, bah, t'as l'impression qu'il te bouffe un truc intime, quoi. Attention, il y en a un. Voilà, appuie Hunter. T'es où? Ah, t'es rentré, ok. Ah, il y a un truc par terre. Ah, ça a remplacé ce que j'avais. Du coup, il y a un machin à prendre par terre. Ah, là, c'est des munitions, là. C'est quoi que t'as pris par terre? Eh ben, là, ça a une forme ronde. Et du coup, ça a laissé tomber mon cône par terre. En fait, ça, c'est les grenades, pas une bombe. C'est ce que tu dis. En fait, dans le jeu, c'est que t'as déjà un truc. Potions. Ouais, j'en ai déjà. Ouais, t'as déjà un truc. Dans le jeu Minecraft, ça... Du coup, là, j'ai peut-être un molotov, du coup. Ah, ouais, là. C'est quoi? C'est munitions, ça? Ah, il y en a plus. C'était quoi, ça? J'ai pas compris. C'était du pain, mais... Ah, pour du reprendre de la vie Minecraft. Et c'est ouais, où les munitions, tu m'as dit? J'ai pas vu. Moi. Je devais le manger, en fait, directement sur la table. Je veux pas le prendre sur moi. C'est là. Là. Ah, c'est quoi le carré qui saute, là? C'est un hunter. D'accord. Ok, il y a un... Il y a un pistolet sur la table et il y a un étage. On va fouiller l'étage. Et on peut ressortir par là, mais je sais pas à quoi ça sert. Oh bah il y a des zombies là. Je fouille l'étage. Oh, j'ai trouvé... Oula, j'ai du monde là. C'est quoi? Je vais lâcher un truc là. Eh bah je vais crever. Ouais. J'arrive. Oh putain, je crame en plus. Oh putain, je suis attrapé. Oh, je le tue, le smoker. Alors, je sais pas comment. Je sais même pas comment je l'ai tué. Hein. Franchement, j'y voyais rien. Avec moi à l'étage. Attends, je voulais reprendre le truc par terre. Vu que j'ai utilisé le cocktail. Oh, il a lâché un truc. Et merde, je crame. Bon, bah, je vais... Ah non, pas mourir, mais... Oh là. Ça peut me bouffer la bite encore une fois. Comment tu parles? En plus, je te rappelle qu'on filme. Bravo, c'est bon. Quoi. Putain, je me bouge pas. Putain, je reprends des munes peut-être. Si je peux. Parce que... C'est vrai que le pompe, il a pas non plus des tonnes de munitions. Et là, je fais gaffe parce qu'il y a le smoker qui attend, c'est ça? Oh, ça, coup de langue. Il y a travers la vitre, il veut pas. Quel con. Oui, je sais, un smoker, mais... Ah, il y a un truc là. C'est quoi ça? C'est encore un cône? Ouais, c'est la même chose que je faisais, donc... Que ce que j'ai joué arriver. Donc c'est une paille bombe qu'il y a ici.
D'accord, c'est que t'avais ouvert le coffre et tout, ok. Ouais, ils vont me faire chier pour que je me soigne, donc je vais me soigner, écoute. Je sais vraiment pas où il faut aller, s'il faut tout visiter ou pas. Je pense qu'il faut descendre. Enfin, qu'il faut descendre. Bon, ouais, il faut passer par la fenêtre là. Il y a une fenêtre pétante en dessous. Encore un truc par terre. Ouais, ici, ouais. Bah oui, c'est de là qu'ils venaient les machins. Ouais. Eh, il y a un truc au mur, on peut jouer ? Ah non, c'est juste décoration. Ouais, c'est des. C'est des objets, j'imagine. Ouais, dans Minecraft, c'est des tableaux, ça, tout simplement. Parce que là, en fait, il y avait une maison où on pouvait aller, là. Ah, il y a un jockey sur ma gueule. Il y avait. Là, il y a un jockey. Un jockey. Une maison où on peut attention, aller. Attention, chargeur. Ah, d'ailleurs, il y a de la vie, je crois, j'ai l'impression. Là, il y a des trucs, là. C'est quoi? C'est du pain, ça? Non, c'est du... Ah, c'est de l'adrénaline. Ouais, pils ou adrénaline. Putain, j'aurais dû couper... Non, c'est des pils. Steam. J'ai oublié. Une pioche, ça représente quoi dans le... Il y a un truc qui bloque, là. Ok. Hunter, ouais. Wesh. On continue par là. Allez, c'est parti. Ouf, avec la neige, c'est vrai que c'est difficile hein, de voir là. On n'y voit rien avec la neige. Ouais, bon, on va aller vers là où c'est ouvert, hein, pas vers le mur. Je crois que là, l'exploration complète, on va peut-être ouais, on va se limiter. Là, je vais balancer la paille bombe parce que là, il y a du monde là. Oh putain, un jockey sur moi. Ok, quelqu'un m'a libéré, merci. Ah, moi, je me suis fait choper un... Ah, oui, je te vois. Putain, j'arrive pas. Ah, voilà. Il me défonce. Oui, mais c'est que j'étais loin et j'ai eu beau tirer, mais... Je me guéris. C'est lui, là. C'est lui, là. Voilà. Attention, Spitter. Il a craché. C'est tendu, quand même. Hein. Il y a un jockey, là. Tiens, je l'ai loupé. Ah, il envoie la Zoé. Normal ça, tout le monde envoie la Zoé. Il y a un boomer. Il n'y a rien là-dedans. Il voit un peu mieux, c'est dommage. Oh, les piles à Zoé, ça va, ouais. Putain, le boomer, on n'a pas encore vu la gueule que ça avait. Oh putain! Bah en fait... La gueule qu'il avait. Bah ouais, alors c'est... ça, la TNT. Ah ouais, t'en as sur toi. Et là, il y a un autre truc à prendre, mais... Ah, mais j'ai pris. Ça doit être de la... Ça doit être de la gerbe, ça. Et là, par terre, il y a un cône, donc ça doit être la paille bombe. Non, moi, la TNT, ça doit être la paille bombe. Le cône par terre, c'est... Ah, bah, c'est la gerbe, c'est alors. C'est le molotov. C'est le molotov, là, le cône par terre. Non, oui. c'est la gerbe. Je crois. Oh, là, je suis paumé. Bon, c'est pas grave. On lancera au pire. Hein. Ouais, donc c'est déjà pas par là. Oh. C'est par là, non? Non, je sais pas. C'est par là où je suis, ouais. Spitter. Ah. Ouais, donc déjà je fais une rampe. C'était super. Oh là là, la visibilité de ouf. Dans la neige, on y va. Voilà, il est encore en train de me bouffer. Ouais, bon, moi ce que j'avais c'était une paille bombe, la TNT. Et donc l'autre truc c'était la gerbe en effet. Oh là. Dans une maison. Ouais, c'est vrai, elle attire les... Oh non, mais genre j'ai mis à terre quoi. Bon, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Mettre à terre Zoé, c'est un peu normal en même temps. il fallait bien qu'on la fasse un jour ou l'autre quoi. C'était là. Tout le monde faisait des vannes sur la pauvre Zoé à l'époque. Prenez le défi, bah. Le défi. Dans la maison. Dans la maison. Ouais. Semble à quoi? Ok. Semble à ça. Il y a des kits de soins. Des kits de soins. Je sais pas comment tu rentres. Des fois j'ai du mal à trouver les entrées. Ah, allez, les mules, ça c'est. Prends la pomme, c'est une. Ouah, je suis full truc. Full objet quoi. T'es stuff à mort. Wesh. Ah, c'est bon, on a trouvé le. Par contre, vu la longueur de la. Ouf, on m'a sauvé. La longueur de la map, je pense qu'on en fera qu'une. Hein.
filmé en tout cas. Ouais, ouais. Après. Là, je suis quasi aveugle. J'avoue que. Peut-être qu'il faut. Avec des réglages, ça sera un peu plus simple, mais. C'est la safe zone ici. Ah bon? Ouais. Mais ouais, mais il se passe rien. Ah, d'accord! Oh là là! Oh l'enfoiré! Oh, le gros porc! Allez, joker sur ma gueule! Juste derrière! Attention, smoker! Voilà! Attends, dans ce coffre, on a pas. Dans ce coffre, il y a un zombie, on voit rien de ce qu'il y a dedans! Ah, j'ai ramassé un truc! Attends, là, c'est quoi? Bah, ça m'a remplacé le troisième objet, tu sais, les pins. Donc, j'ai dû trouver de l'adrénaline. J'ai pris les pulls. Oh, 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 bah. Oh, Zoé, elle est à terre encore. Ouais, parce qu'elle avait pas beaucoup de vie et comme l'autre l'a craché. Finesse, c'est long, hein. Ouais. Dans cette petite salle là de ce côté, y'a quoi? Ok, là-bas c'est la safe zone. Attends, on voit. Ah non, c'est Bill qui était à côté de moi. Mais, hé! Hey, mais. T'as une citrouille sur la tête! D'où tu t'es mis une citrouille sur la tête? Qui? Toi? Mais c'est le truc que j'ai ramassé, je te dis, ça avait une gueule. En fait, ça avait une gueule de citrouille. Je peux pas me voir en troisième personne. Tu te l'es mis sur la tête. J'ai lâché le truc. Où ça? Ah, je peux le lâcher? Lâche-le comme ça, je le mets sur ma tête et après tu le. Bah, je l'avais là. Il s'est lâché. Il est dans tes mains. Non, tu vois, il est tombé. Et là, tu. Attends. Je prends des pilules. Et là, tu l'as pris à ma place. Tu vois? Comment je le mets? C'est en fait en changeant d'objet, quand tu l'as dans les mains, tu rechanges d'objet. Si tu peux l'appliquer à toi-même, faudrait que tu essayes. Non, c'est juste un truc que tu portes. Non, toi tu le vis sur la tête. Oui, non, mais je. Non, mais d'accord, mais. Oui, sûrement. Oui, oui. Mais moi je te parle, est-ce que c'est un truc. Ah là là, putain, poussez-vous, voilà. Est-ce que c'est un truc du genre, est-ce que tu peux l'utiliser, tu vois ce que je. Non. Genre, tu le tiens dans tes mains. D'accord. Mais là, je l'ai sur la tête, en tout cas. Oui, tu l'as sur la tête. D'accord. Vraiment spécial. Bon, ben, on arrive à la safe zone. Du coup, il est temps pour nous... de vous dire au revoir et très bientôt pour une nouvelle vidéo. De toute façon, on a encore, je pense, quelques petites choses à vous présenter sur le jeu. Que ce soit ça ou Portal 2, on va écumer un petit peu, on va essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant, puis on vous fera des petites présentations comme ça. Nous, on aime bien, vous vous semblez un peu réceptif, même si c'est encore tout frais. Les premiers retours sont positifs, donc écoutez, on va continuer. Voilà. Donc merci de nous avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Voilà. Au revoir. Eh ben re tout le monde. Bon petit bonus comme on avait fait pour l'autre vidéo. Tout à pour fait. Donner notre avis sur cette campagne puisque comme vous voyez on vient de la finir. Et très franchement même pour moi qui n'ai pas oui alors nombre de fois recommencé effectivement on est mort à un endroit. Enfin bon, on peut pas vous dire pourquoi, parce qu'il y a des choses qu'on veut pas vous spoil. Mais voilà. Voilà. Donc, même pour moi qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas spécialement Minecraft, je connais pas en fait, et ça m'attire pas plus que ça, et ben là, transposé dans l'univers de Left 4 Dead, je trouve ça sympa. C'est vrai qu'il y a, une patte graphique très particulière, mais bon, ça c'est Minecraft qui est comme ça déjà. Donc je pense que ça va être, soit vous allez aimer, soit vous allez vraiment pas du tout aimer. Je crois que ça va être assez... bipolaire hein, comme avis, mais même moi qui suis assez réticent à la base, et ben non, je trouve que ça a été une bonne surprise, mais surtout parce que l'auteur a apporté un soin très particulier à sa campagne. Il y a vraiment des détails, voilà. Il y a vraiment plein de petites attentions, il y a énormément de références d'après Brumage, ah bah si, ça ouais, c'est comme dans le jeu, ça on peut faire ça, et puis il y a du craft, alors on dira pas tout, mais il faut quand même dire ça, il y a du craft à faire. Donc il y a quand même quelque chose. Voilà. Et il y a effectivement, on va dire, une grosse surprise peut-être, on va dire ça comme ça, à un endroit, je crois que c'est à la map 3, je crois, 3 ou 4, je sais plus. Ouais. Enfin, bah, voilà, y a donc, des...
Et les trucs sont fidèles à Minecraft, quoi. Beaucoup, beaucoup de choses qui ont été transposées dans ce jeu, en plus de l'univers graphique ou quoi. Il y a du craft, il y a des objets, enfin voilà, on va pas trop dire, mais il y a des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant si vous êtes fan de Minecraft, et puis même si vous connaissez pas comme moi, je pense que c'est une expérience sympa à tenter, parce que mis en dehors du fait que ce soit du Minecraft, la campagne est sympa et bien faite. Le seul reproche, à mon sens, c'est qu'il y a, je crois que c'est la map 2 et 3 qui sont trop longues. Je pense qu'il aurait mieux valu qu'il fasse son jeu, enfin sa campagne en 6 maps, quitte à réduire un petit peu entre les niveaux, parce qu'il y a vraiment des passages qui sont un peu longs à mon goût, surtout quand, comme nous on veut explorer. Voilà. Bon, on va pas vous retenir la jambe plus longtemps, ça se dit pas retenir la jambe, mais c'est pas grave. Tenir la jambe, c'est normalement, c'est une vieille expression. Donc on va pas vous embêter plus longtemps. Mais voilà, on voulait vous donner à nouveau notre ressenti là-dessus, en l'ayant fini. Et donc, c'est du positif pour nous, on s'y attendait. La campagne est très bien notée sur le workshop. Et puis comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller tester ça vous-même. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao! Merci, au revoir.